Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un projet qui doit se faire dans la journée, tournage, installation compris, des briques réfractaires ici qui vont servir de soubassement au poêle qui va être installé dans notre chambre et je veux faire bien sûr un tour en bois pour que ce soit plus joli. Ceci étant dit, et j'ai envie de vous expliquer pourquoi cette idée saugrenue que de mettre un poêle à bois dans la chambre. Alors à l'heure actuelle, on a une chaudière au fioul que l'on n'a pas du tout envie de redémarrer. La maison est grande, on n'occupe pas tous les lieux en même temps et la solution la plus économique et qui nous paraissait également la plus écologique, c'était de chauffer les différents lieux de vie au moment où on y est. Vous savez que dans la cuisine, on a une cuisinière à bois, elle tourne très souvent, on l'utilise presque tout le temps. Donc toute une partie du bas de la maison est déjà chauffée avec cette cuisinière. Elle chauffe les pièces au-dessus, mais elle ne chauffe pas notre chambre, d'où ce petit complément. Allez, je vais tracer mon épure, je vous explique ça sur l'épure parce que c'est beaucoup plus simple que de faire un plan à ce moment-là. Voilà, on se retrouve face à l'épure, on retrouve les deux, j'ai envie de dire appelées jambages, même si c'est à plat, partie droite, notre partie en demi-cercle. Pourquoi est-ce que j'ai fait une épure? Parce que j'ai besoin de savoir, de connaître les dimensions de ce bloc qui est ici. Donc, j'ai partagé ma portion de demi-cercle en 3, ce qui signifie que ici, j'ai 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Que cette partie ici en trapèze va se retrouver avec un angle de 30 degrés ici et là. Donc, je vais bien avoir 3 pièces identiques. Et ces 3 pièces identiques, j'avais besoin de connaître la largeur. Parce que si ma ceinture va faire 100 mm de large, pour autant, entre ici et là, j'ai 153 mm de large. Et ça, l'épure me l'a donné très facilement. Donc, premier travail, débit. Donc là, j'ai 3 fois 575. Ici, la longueur qui va être beaucoup plus simple. J'ai au total 5 pièces qui seront reliées ici et là par un petit pigeon, sûrement ce chevillé. Donc, ce qui me permettra de faire le même assemblage de chaque côté et de gagner du temps parce que je vous le redis, je n'ai qu'une journée. Le meilleur moyen de gagner du temps, ça serait de mettre des dominos, mais je n'irai pas jusque là. Allez, au boulot. Pas besoin de dresser les champs étant donné qu'après ils vont être calibrés et prendre leur forme courbe. En fait, il faut dresser les champs des deux morceaux droits, donc demi-tour.
Dans un premier temps, je pensais utiliser ce calibre, après l'avoir découpé bien sûr, pour finir le tracé et en même temps pour usiner. Et en fixant mes bois par dessous avec des vis. Sauf que à l'attaque ici, j'aurai beaucoup de contrefil et du coup, je veux utiliser un calibre qui va me permettre de travailler par retournement. Alors le retournement aurait pu se faire en mettant une fois le roulement en haut, une fois le roulement en bas sur la toupie. Là, ça devenait beaucoup de manipulation. Du coup, je change mon fusil d'épaule. J'ai mes références parce que j'ai des petits traits ici sur chacun de mes bois et du coup, je sais comment les placer. Et je vais faire un calibre qui va travailler avec de la place autour. Je vais pouvoir avoir des sauterelles et donc retourner mon bois. Lui, il sera maintenu et ce n'est pas les vis qui seront en face inférieure qui vont maintenir le bois. Donc là, je dois découper précisément à la scie à ruban ces deux lignes, les poncer, les raboter s'il faut. Et après, on pourra passer sur le travail à la toupie. Dans l'intérieur de la courbe, je vais attaquer avec le porte-outil de toupie qui va être ici. J'aurai donc un appui avant de commencer à usiner. Et ici, mes fibres sont dans le bon sens, elles vont être couchées par l'outil. Donc jusque, on va dire ici, il n'y a pas de souci. À ce moment-là, je m'arrête, je retourne mon bois. Étant donné que j'ai une courbe régulière, il n'y a pas de souci. Ici, je serai à nouveau à coucher le bois et je ne risque pas d'avoir de l'éclat en sortie. Par contre, sur l'extérieur de la courbe, ça ne fonctionne pas pareil. Je vais attaquer par ici et j'attaque par la portion qui est à contre-fil. Donc en fait, je suis obligé d'attaquer au milieu. Et attaquer au milieu avec un porte-outil, on ne le fait pas. Donc, ce qui fait que je vais modifier mon gabarit, je n'ai plus à tracer et je vais retirer cette partie-là. Ce qui fait que je pourrais attaquer par là, ça va dépasser de mon bois. Et après, je vais venir réellement faire ma portion de courbe à ce niveau-là. Ouais, je vais juste mettre un point de colle pour le ou deux points de colle le temps de visser parce qu'il faut que j'arrive à démonter tout à l'heure. Ça sent bon, hein? Deux gars sont morts dans un atelier. Breaking news. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre des vis. On a besoin de lui et du roulement qui va avec, c'est du 80. Voilà. Là, je la mets. Comme ça, et là je vais sortir tout droit.
cette feuilleur circulaire, je ne peux pas procéder par retournement. Il faudrait refaire tous les réglages, ça serait vraiment embêtant. Du coup, je préfère le faire en deux temps. Vous aurez remarqué que je n'ai pas un roulement ici, mais j'ai la lunette qui me permet d'avoir un appui en direct sur la pièce que j'ai déjà préparée. Et c'est cette lunette qui me crée le décalage. Un projet qui devait se faire en une journée, et puis comme toujours quand on filme et qu'on veut montrer des belles choses, eh ben ça prend plus de temps que prévu. Alors ici, off camera, j'ai vissé, collé le support dans la fameuse feuillure, y compris la partie arrondie, et j'ai poncé les champs. Il me reste deux petites choses pour finir. Un gros chanfrein, mais pas un chanfrein à 45, vous allez voir. J'ai monté une fraise avec un angle assez fermé sur la défonceuse. Et puis bien sûr, à répartir les briques avant d'aller l'installer sous le poêle.
Voilà, la vidéo est terminée. Je vous laisse avec des... Bon allez, blague à part. Un petit projet que je devais faire dans la journée. J'ai pas réussi à m'y prendre et à finir dans les temps avec toute la pose des caméras et tout. Je vous l'ai déjà dit. Par contre, un petit projet où esthétiquement, je suis hyper content du résultat. Pas par mon travail, parce que j'ai déjà fait du bien meilleur boulot. Mais le fait d'avoir récupéré ces vieilles briques réfractaires au fond de la cheminée, elles doivent avoir plus de 100 ans, elles ont des petites traces et tout, je trouve que ça donne une patine et un charme à l'ensemble qui est vraiment, vraiment sympathique. La vidéo sera vraiment terminée dans quelques instants lorsque vous aurez regardé les images de l'ensemble mis en place dans la chambre, même s'il manquera encore quelques petites protections sur le mur arrière. Allez, bye bye!